Cette année a eu lieu la 24e édition de la célèbre dictée de la Fondation Paul Gérin-Lajoie qui s'adresse aux élèves du primaire et du secondaire. Et nous aussi, à l'année prochaine, nous avons une dictée. Et je parle bien sûr de la dictée de la ministre de la Sécurité publique, Mme Lise Thériault, qu'on accueille. Salut, mon noir. Ça fait plaisir, vraiment. Oui. Alors, Mme Thériault, ouais. Vous allez nous lire la dictée que vous avez préparée. Ouais. Et on invite tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent à la maison, à relever le défi et à faire la dictée eux aussi. Ben oui, certainement. Fait que, watchez vos fautes d'autographe. Hein? Vous pouvez vous débarrasser de votre gomme, vous savez, hein? Ah, OK. Veux-tu tiens ma gomme? non, merci, vous êtes gentil. Ouais, c'est pas grave, on va mettre sur le micro ici. Oups, elle a un peu foiré. Bon. D'accord, Mme Thériault, bon. On écoute votre dictée. Alors, le titre s'appelle « La dictée à Delise ». L'air est fraîche. Écrivez « L'air est fraîche à matin ». Point. J'ai déjà fumé des cigarettes légères. J'ai déjà fumé des cigarettes, c'est ça, légères. Excellent, c'est bon. Vargule. Des martaines. Point. Ça va bien. J'ai trop bu de rum and coke. De rum and coke, virgule, fait que j'ai renvoyé le chef de la SQ. Point. Le dernier couplet. À cause des coupures du gouvernement, virgule, le monde est en austérité. Point. Fin de la dictée. Ah. Une belle dictée. Bien contente. Ah oui. Les gens apprécient. C'est une très belle dictée, ça, Mme Thériault. Je vous remercie beaucoup et tout le monde ici vous souhaite une très bonne année. Ah bien, je vous remercie. Merci bien. Puis bonne année à toutes vos écouteurs. Merci. Au revoir, tout le monde. Madame Thériault.